Bienvenue sur notre chaîne YouTube, pour vous informer sur votre star préférée. Si vous n'êtes pas encore abonné, on vous invite de le faire maintenant. Bassa Zeroué Dilem, alias Didi B, est le leader du célèbre groupe ivoirien Kiff No Beat. Kiff No Beat, c'est une force de la nature, de véritables sources d'inspiration musicale dont le style musical jongle, entre le dirty souch américain et le coupé décalé ivoirien. Né au village Kiyi, Didi B séjourne jusqu'à ses 10 ans. Son père est le fameux pianiste, comédien, arrangeur, Bassa Bomou, et sa mère est une danseuse et chorégraphe. De ce fait, le virus de l'art et la musique coule dans ses veines. Didi B fait sa première apparition sur le devant de la scène, via le clip d'If Society de Mewé. Un clip qui a ému nombre de personnes, où il y jouait le rôle d'un petit garçon découvrant le corps de son père, la mort dans l'âme. Mais ouais, voit en lui un véritable prodige, ainsi il le recontacte pour figurer dans deux autres de ses clips. Ainsi, Paul m'a dit le contact, dès 10 ans afin de faire de lui l'acteur principal de son vidéoclip paroté. Les portes du cinéma lui ouvrent, dès lors, grand les bras. Il est coopté pour interpréter un rôle dans une série télé produite par l'UNICEF. La musique étant sa plus profonde passion, il décide de s'y adonner et de se lance dans un genre hip-hop. Son style particulier, sa touche de pro lui ont valu de s'ériger en leader du groupe Kiff No Beat, groupe qu'il forme en 2009 avec Black, LG, Elon, Joucha. Il mène ce groupe qui se classe incontestablement parmi les meilleurs du moment avec à la clé quelques distinctions, notamment le prix du meilleur groupe rap obtenu en 2013. Pour certains, Didi B est considéré comme le meilleur rappeur ivoirien. Dites-nous ce que vous pensez du fameux rappeur Didi B. N'hésitez pas à partager avec nous votre avis dans l'espace des commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de nouveautés, on se verra très bientôt.